Salutations à tous les êtres de lumière sur la terre. Je suis Dame Kuan Yin. Je viens avec amour et paix pour vous étreindre. Je viens pour renforcer votre âme et pour soutenir la synthèse de votre âme avec votre corps physique et les aspects supérieurs de votre être. Je suis ici pour aider et assister votre maîtrise, vous soutenant à plonger profondément dans votre être pour découvrir les joyaux, l'or, les qualités précieuses que vous avez acceptées comme les vôtres à partir et à travers le Créateur. Aujourd'hui, je souhaite parler de permettre à l'univers du Créateur de vous servir. Dans l'univers du Créateur, il y a de nombreux niveaux et dimensions d'énergie. Il y a de multiples vibrations et fréquences de lumière. Nous pouvons imaginer que chaque vibration de lumière et chaque fréquence est représentée par une couleur et que chacune détient une qualité sacrée et précieuse du Créateur. Vous pouvez faire appel à un rayon, à une vibration, à une fréquence ou à une lumière pour qu'il se déverse sur vous et à travers vous, afin que vous puissiez absorber la qualité de cette énergie ou de cette vibration lumineuse. C'est presque comme absorber les vitamines et les minéraux du Créateur pour soutenir votre propre ascension sur la Terre. Vous pouvez également vous permettre d'accepter de nombreux rayons, vibrations et fréquences de lumière, comme une collection de vibrations lumineuses, chacune avec son propre focus, créant une qualité lorsque ces énergies se réunissent. Elles créent une certaine synthèse, une énergie unique comme un caractère. Ces vibrations et la synthèse qui est créée sont uniques, et chaque fois que vous vous connectez avec l'univers du Créateur et les vibrations lumineuses, vous ferez l'expérience d'une synthèse différente de vibrations lumineuses. C'est comme un arc-en-ciel et une collection de couleurs que vous recevez. Et chaque fois que vous vous connectez, la collection de couleurs que vous recevez sera différente et leur synthèse créera une énergie différente. Chaque fois que vous vous connectez, c'est différent, car il y a tant de rayons de lumière divers et variés et de vibrations lumineuses dans l'univers du Créateur. Une autre raison est que chaque fois que vous vous connectez à l'univers du Créateur, vous vous présentez de manière différente. Parfois, vous laissez des blessures apparaître, d'autres fois, vous vous présentez en connexion avec votre essence. D'autres fois encore, vous avez un objectif ou un but, une question ou quelque chose que vous souhaitez recevoir ou manifester. Comme vous êtes différent et divers à chaque instant, l'univers du Créateur l'est également. Cela le rend magique parce que tout, ce dont vous avez besoin et que vous nécessitez, est toujours à votre disposition. L'univers du Créateur peut créer une synthèse de lumière qui vous soutient à chaque instant, ce qui signifie que vous avez le soutien constant de l'univers du Créateur. Vous êtes en mesure d'accéder à tout ce dont vous avez besoin à chaque instant. L'univers du Créateur ne retiendra pas les énergies. Il les partage avec vous, la plénitude du Créateur. Dame Kuan Yin, moi-même, vous invite à contempler cela dans les jours à venir. Cela nécessite beaucoup de contemplation pour réaliser comment vous vous présentez à l'univers du Créateur. Lorsque vous vous connectez à l'univers du Créateur, lorsque vous demandez quelque chose à l'univers du Créateur, il est important d'être pleinement conscient de vous-même à ce moment-là. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos émotions? Comment vous sentez-vous dans votre corps? Vous sentez-vous ancré? Vous sentez-vous connecté? Il n'est pas nécessaire de vous juger en aucune façon. Il s'agit simplement d'une acceptation. Ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez de nouveau prendre conscience de vous-même après avoir reçu l'énergie du Créateur et remarquer tout changement ou transformation. La deuxième chose que je vous encourage à contempler est que l'univers du Créateur est rempli de qualités du Créateur et qu'elles sont si diverses et différentes. Lorsque vous faites une demande, certaines énergies et qualités se rassemblent, comme si elles créaient un arc-en-ciel unique pour vous, avec des qualités qui vous sont uniques. Il est de votre devoir de recevoir cet arc-en-ciel, de le laisser couler sur vous et à travers vous, de le recevoir, de l'absorber, de reconnaître son impact sur votre être. Comme vous commencerez à jouer avec cela, vous remarquerez votre capacité à recevoir, vous remarquerez les énergies que vous recevez, ainsi que la manière dont l'univers du Créateur vous soutient. Le résultat est que vous pouvez vous permettre de vous sentir pleinement bercé, porté et soutenu dans l'univers du Créateur.
Lorsque vous travaillez avec l'univers du Créateur de cette manière, vous permettez à l'univers du Créateur de vous servir. Il y a aussi un besoin de contempler la demande que vous faites. Comment faites-vous une demande à l'univers du Créateur? Qu'est-ce que vous demandez? De bien des manières, c'est à vous de décider, d'explorer et d'expérimenter. Pour faire une demande, moi, Dame Kuan Yin, je vous invite à sentir le sol, le soutien de la terre-mère sous vous, à reconnaître la lumière brillante de votre âme et du Créateur en vous, à respirer profondément, pour affirmer que vous êtes maintenant en conversation directe avec l'univers du Créateur, que toutes les demandes faites par vous sont reçues par l'univers du Créateur et que vous êtes prêt à recevoir la synthèse des qualités du Créateur de l'univers du Créateur. Ensuite, faites votre demande. Qu'est-ce dont vous avez besoin? Que voulez-vous ou requérez-vous? Vous remarquerez peut-être que lorsque vous faites une demande qui sert votre ascension, qui vous renforce, vous êtes plus capable de la recevoir. Si quelque chose renforce votre ego ou un trait de personnalité, vous ne pouvez pas le recevoir de la manière que vous souhaitiez. Il est important de savoir que la manifestation vient de l'incarnation. Vous avez tout l'univers du Créateur avec vous, vous soutenant à votre disposition. Vous pouvez créer de multiples arcs-en-ciel et les recevoir en les respirant dans votre être et en les incarnant. Il n'y a pas de limite, il n'y a que l'abondance du Créateur que vous pouvez recevoir. Permettez-vous de le recevoir maintenant, en votre nom et en celui des autres. Je suis Dame Kuan Yin. Je vous remercie.